Les amis, nous sommes arrivés à Valence ce matin. Je vais tenter de vous montrer ce que je vais manger pendant la semaine, ce qu'on va visiter. On va voir si on peut manger keto à Valence assez facilement, mais je pense que ça va le faire avec pas mal de bonnes viandes, des bons légumes du sud. Donc écoutez, je vous dis bonne vidéo, c'est parti. Le premier petit déj qu'on a pu manger, il était hyper bon et c'était vraiment parfaitement keto avec des œufs brouillés, du bacon, des saucisses, petite tranche de concombre et de tomate, donc ça commence hyper bien. Et je pense qu'on va pas avoir de mal à manger keto et à manger des super plats parce qu'on est passé au marché et on a vu qu'il y avait plein de bons aliments. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça et la semaine va être vraiment chouette. Les amis, on est dimanche matin, il est 10h et ce qui est bien à Valence, c'est que le matin il n'y a pas un chat dans la rue parce que je pense que les gens font la fête et se réveillent beaucoup plus tard. On va essayer de prendre un petit déj juste derrière moi au Mercado Colón où il y a pas mal de petits restos, donc ça va être bien chouette. Bon ben malheureusement on n'a pas trouvé de petit déjeuner keto avec une omelette ou du jambon ou quoi que ce soit parce que dans tous les petits restaurants c'était que des viennoiseries et du pain, donc je vais me contenter d'un petit café américain ce matin, puis on va trouver un petit déj sur la route ou alors on va se faire une omelette à l'appart. Bon, il vient de se passer un truc terrible, c'est qu'on sort du petit supermarché et il n'y avait pas de beurre, donc je sais pas comment je vais vivre ici s'il n'y a pas de beurre pendant une semaine. Mais bon bref, on a acheté quelques œufs, on a acheté de l'huile d'olive, un peu de fromage, des concombres, et on va quand même se faire un petit déj à l'appart pour se nourrir un peu et puis après on file à la plage. Ouais, du coup j'ai remarqué qu'ils mangeaient quand même beaucoup de pommes de terre et de frites en Espagne, donc faut quand même faire attention parce que même s'il n'y a pas écrit sur la carte que ça va être servi avec des frites, et ben ça risque de l'être. Par exemple hier dans un resto libanais j'ai demandé du shawarma où c'était censé être juste de la viande de kebab avec du chou, ça a été servi avec des frites, donc même si c'était pas écrit sur la carte. Donc la prochaine fois j'essaierai de demander sans frites en espérant faire comprendre que je parle pas trop espagnol. Oui, ça va, Sevilla. Eh oui, capitaine. On a vraiment faim, donc on va pas manger super local ce soir, mais on va se faire un petit Five Guys. Donc je sais que c'est du fast food, mais c'est quand même pas mal parce qu'on peut commander des burgers sans pain. Donc ça c'est cool pour l'option keto. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est quand même relativement bon. Donc de temps en temps, si je veux me faire un fast food, et ben on va à Five Guys. Et je me mange un hamburger sans pain, soit dans la salade, soit en salade justement. Lundi matin, troisième jour à Valence et on va manger au Mercado Central, c'est un supermarché couvert avec plein de bonnes nourritures, donc on va se faire un petit déj là-bas, peut-être un petit café, un peu de jambon. Ça va Louise? Ça va très bien. Voilà, t'as bien dormi? Non. Bon, on dort pas hyper bien, mais bon, en même temps il fait hyper frais, enfin il fait plus frais aujourd'hui. Il fait trop chaud. Ah oui, non. Ouais, non, il fait ultra chaud, il fait chaud la nuit, mais aujourd'hui il fait plus frais, il fait 23 degrés, donc franchement ça fait bien plaisir. Là, on est dans le paradis de l'alimentation, on est dans le paradis de la nourriture et dans le paradis du jambon. Il y a du jambon qui pend de partout, franchement ça a l'air trop bon. Donc on va essayer de se trouver du jambon et du fromage au petit déj. Il y a aussi plein de légumes magnifiques, il y a du poisson, de la charcuterie, donc on va se régaler. I wanna be rain.
tapas dans un bar. On a pris quoi? Ça s'appelle comment ça déjà? L'escarraette. De l'escarraette. Donc c'est de la morue au piment. Et bien sûr, je vais pas manger le pain. On a pris des gambas et une petite croquetas que je ne vais pas toucher parce que c'est plein de farine, mais ça va être délicieux. Mais c'est pour toi. Bon allez, bon app. Bon les amis, dites-moi en commentaire si c'est normal d'être bourré après un verre de vin. Alors pour toi, là, oui, franchement... mais... Ouais bon... Pour moi oui, parce que je tiens pas du tout l'alcool et il fait chaud, il est 15 ou 16 heures, je sais pas trop quelle heure il est. Il est à l'ombre et il fait 25 degrés, donc ouais. En soi, la chaleur n'étant pas une excuse. Donc bon, je suis un peu bourré, mais là on va monter les marches de l'espèce de tour qui est juste derrière nous, je sais pas si vous la voyez. Juste là. C'est 2 euros pour monter les marches, je pense qu'on va avoir une belle vue, donc on va voir ça tout de suite. Et sinon, si on est trop bourré, on peut faire du Segway comme on voit juste ici. Mais on va avoir l'air un petit peu ridicule, donc je crois qu'on va pas faire ça, on va juste utiliser nos pieds, ça va être très bien. Mais ça va pas du tout, toi. Entre ce qui était affiché à la gare, sur le site internet, sur l'application, et le mec nous a encore dit un autre train, donc on verra bien où on atterrit, mais j'espère qu'on va atterrir à destination. Bon, mais on s'est bien trompé de train et je sais pas trop ce qui s'est passé, je sais pas s'ils ont arrêté le train pour nous. Non, ça m'étonnerait, c'est quand même bizarre. Mais bon, on s'est bien trompé de train parce qu'il y a un mec qui est venu nous demander en espagnol où est-ce qu'on allait. Donc on a dit Sagunté et il a dit non, il a parlé en espagnol assez vite pour nous expliquer que c'était pas le bon train. Il nous a fait descendre, il nous a demandé de marcher sur le quai quelques centaines de mètres pour attendre le train qui allait arriver. Ah. Quoi, c'est lui? Je sais pas ce qu'il dit. Attends, il dit se courir. Je sais pas compris. Non mais on court pas. Attends, bon. Bon. Donc je sais pas trop si on va réussir à y aller à Sagunté. Je sais pas trop ce qu'on fait. Mais bon, non, on visite, c'est sympa ici. Vigile allí. Aquella marquesina donde está el marcador. Ok. Ok. Allez. Allez. C'est leur truc. C'est bien compliqué leur truc. C'est hyper compliqué. Donc là on vient d'arriver à Sagunté et on monte vers les forts Segunto, Sagunté. On vient d'arriver à Sagunté. On vient d'arriver à Sagunto et on monte vers les remparts et les gens sont vraiment super sympas parce qu'on s'était trompé de route parce que une vieille dame nous a dit non vous voulez aller au château, c'est pas par ici. Il faut passer par là, il y a une place et tout. Bon, ils parlent espagnol assez rapidement, on comprend pas mais on comprend globalement ce qu'ils veulent dire. Donc là on monte aux remparts. Donc là il est 15h, on sort du supermarché, on a fait des courses, on va se faire à manger, on va manger à l'appart aujourd'hui et on va se faire de la viande hachée avec des légumes et du fromage râpé. Comme je vous disais, on est allé faire les courses pour cuisiner aujourd'hui mais on est vraiment hyper deg parce qu'on a acheté deux ingrédients qui payaient pas de mine comme ça, mais comme quoi faut toujours vérifier les étiquettes. Le premier c'est la viande hachée, donc on a acheté de la viande de bœuf hachée qu'on achèterait en France, genre 100% pur bœuf. Et en fait, on s'est aperçu en arrivant que les ingrédients c'était vraiment dégueulasse, genre 82% de viande de bœuf, 4% d'eau, protéines de soja, fibres végétales, arômes, antioxydants, E331, E301, conservateurs, sulfite de sodium, colorant. Donc voilà, ça c'est le premier ingrédient qui est censé être un ingrédient naturel et non transformé, et c'est vraiment dégueulasse comme composition, donc on est un peu deg, mais en même temps on n'a pas payé cher, donc on arrive plus à s'en douter. Le deuxième c'est du fromage râpé qu'on a acheté et là c'est encore pire franchement.
le produit est dégueulasse. Et en plus d'être dégueulasse, si on retourne, j'aurais dû le faire dans le magasin, malheureusement je l'ai pas fait parce que pour moi du fromage râpé c'est du fromage râpé. Je vois qu'il y a 20% de glucides et les ingrédients c'est en espagnol, je comprends pas tout, mais franchement c'est assez dégueulasse. On a de l'amidon modifié, on a des E331, E452. Comme quoi en France, moi j'ai l'habitude des aliments que je consomme, donc je regarde plus les étiquettes. Mais là franchement, il faut vraiment vérifier. Quand vous n'avez pas l'habitude, vérifiez vos étiquettes et lisez les tableaux parce que même pour des produits vraiment de base, on peut avoir des mauvaises surprises. Ok, donc là on est au jardin du roi, c'est un jardin qui est juste à côté du jardin de la Touria, juste au nord de celui-ci. Et juste avant ça, on était dans la vieille ville de Valence, on a goûté de la horchata, c'est un lait végétal d'orja qu'on a mangé, enfin que ma copine a goûté avec, comment ça s'appelle la brioche là? Fartolfa. Avec une farton, c'est une genre de petite brioche assez longue qu'on trempe dedans. Moi j'ai goûté mais c'était ultra sucré donc j'ai juste trempé les lèvres parce que franchement c'était deux fois plus sucré que du coca. C'était assez indécent et du coup moi j'ai bu un petit café americano. Donc là je commence à avoir l'habitude de demander des americano, ils comprennent bien ce que c'est donc c'est assez cool. Et ouais, la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que je suis bien content qu'on puisse manger à l'appart de temps en temps parce que quand même c'est assez cher d'être keto à Valence donc si on a budget illimité et qu'on peut se faire des restos tout le temps, c'est simple de se manger de la viande, de se manger des légumes. Sinon malgré tout c'est quand même bien plus cher parce que par exemple si on veut manger un petit snack ou manger des tapas, et ben ça va être beaucoup plus cher parce qu'on va devoir prendre du jamon et queso, enfin du jambon et du fromage. Et ça va vite monter dans les prix alors que si on mange pas keto, qu'on mange normal, et ben on mange un petit sandwich et là on peut en s'en sortir pour genre 4 euros au repas. Ou des toasts, voilà, les toasts c'est genre pour 4, pour 3, 4, 5 euros vous avez toast plus bière, donc là c'est pas cher. Par contre si vous êtes keto, ben vous pouvez prendre une assiette de jambon qui peut vite monter dans les 10 euros ou du fromage, et même en ayant mangé ça vous n'allez pas être calé du tout. Donc c'est pour ça que quand on peut, ben on se fait un petit plat à l'appart, même si c'est vite fait, au moins on se nourrit bien, on fait des petits déj avec des œufs quand on se nourrit bien, et après on sort et c'est plus pour des snacks ou pour prendre l'apéro qu'on mange dehors. Mais ce soir on tente le resto, je sais pas depuis où, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'on va manger. Mais bon, c'est quand même les vacances, il faut se faire plaisir. Donc aujourd'hui c'est la pré-rentrée de Louise à la fac de Valence. Donc j'en ai profité ce matin parce qu'elle avait rendez-vous à la fac pour courir 20 km. En faisant de l'allure marathon, et ce qui était cool c'est que j'ai couru sur le parcours du marathon de Valence qui va être le 1er décembre, donc dans un peu moins de 3 mois. Donc là je vais commencer les 3 plus gros mois de prépa en rentrant à Lille. Et là elle avait un deuxième rendez-vous à la fac, donc je l'attends en terrasse de la fac avec un petit café, une eau gazeuse, il fait frais, c'est tranquille, donc je profite et cet après-midi on va aller au musée je pense. Bon, j'ai trouvé Louise qui a fini sa réunion à la fac et là on va se cultiver un petit peu au Museo d'Art Moderna. Donc là je suis en train de manger du morteruelo, c'est du pâté avec du gibier, du foie et du porc, non? Ouais. C'est un peu bizarre mais c'est quand même c'est bon. On peut découvrir des nouvelles choses. Ouais, t'as un peu. Ok,
Ok, donc nous sommes jeudi matin et nous sommes retournés au Mercado Central. Nous cherchons un endroit pour manger. D'ailleurs, on n'est pas le matin, il est midi et demi. Et on a deux options, soit chercher le bar à tapas qui est dans le Mercado, mais on ne sait pas où il est. Alors qu'on est venu trois fois là-bas. Alors qu'on est venu trois fois. Soit chercher les petits restos devant le marché avec des menus à 10 euros, entrée plat dessert, et je pense qu'il y a pas mal d'options keto. Donc on va voir en fonction de ce qu'on trouve. Toutes les journées, il crie. Attends, on va où? Et on va à droite. Donc là, on sort du resto et c'était une bonne idée de manger aux abords du Mercado parce que c'était très cool. On a mangé pour une trentaine d'euros à deux. C'était pas mal. C'était bon, les serveurs étaient assez marrants. Et puis, c'est un peu touristique, mais en même temps, il y a plein de locaux, il y a plein de monde. Donc, c'est vraiment sympa. Ouais. On a belle vue, on était à l'ombre, c'est cool. Donc là, on va essayer de trouver l'agence pour louer des vélos. Ah bah c'est juste là, non? Ah bah oui. Non, bah non. C'est ça. Bah il y en a plein. C'est peut-être ça, ouais. Donc là on va essayer de louer des tandems, on va réserver des tandems qu'on va louer demain. Voilà chicas, donc on fait du tandem comme des pros. Et voilà. C'est tout pour le moment. On va où là? Tout droit? Droite? Salut à tous, nous sommes samedi, c'est mon dernier jour complet à Valence puisque je prends l'avion demain soir. Hier on s'est couché tard, je sais pas trop vers quelle heure, vers 2-3 heures, donc on s'est réveillé tard aujourd'hui. Là il est presque midi, on est sorti. On va déjà manger puis après on va faire un musée ou deux et profiter de la ville. Bon, le Mercat Central, c'est vraiment là, une des meilleures options pour manger à Valence. Ouais. Et je vous conseille de prendre un cornet de ramen in queso, de jambon et de fromage à 3,50€. 4,90€. 4,90€? Bah ouais. Mais non. Bah si, c'est moi qui ai payé à chaque bon, fois. Bon, bah le ramen in queso, c'est 4,90€, mais franchement, les portions sont magnifiques. Elles coupent le jambon à la minute et il est vraiment délicieux. Ouais. Et vous prenez ça et vous posez au café qui est juste en face. Vous prenez un petit café et ça vous fait un bon petit déj. Donc faut surtout pas trop regarder les viennoiseries, mais de toute façon elles sont pas bonnes parce qu'ils savent pas faire la pâte feuilletée ni les croissants. Mais pour un apéro ou un petit déj keto, c'est top. Donc là nous sommes en face de la plus petite façade de Valence qui fait 1 mètre de large seulement. Ok, donc on continue notre journée culturelle et là on arrive au musée des Beaux-Arts. Donc on va voir des beaux tableaux, je pense.
Donc là, il doit être 16-17 heures. On va peut-être manger un petit goûter. Et ce soir, on va au resto pour notre dernière soirée. Les amis, c'est déjà mon dernier jour à Valence, c'est un peu triste, j'ai pas trop envie de quitter Valence pour retrouver l'île, mais bon, c'est comme ça. Et ce matin, on a mangé un petit déjeuner dans le même endroit dans lequel on a mangé le petit déjeuner le premier jour en arrivant, puis qu'ils font des super assiettes, le brunch avec des œufs brouillés, du bacon, des saucisses et tout, donc ça c'est top. Et voilà, on a bien mangé. Et sinon, hier soir, on s'est fait un petit restaurant amoureux pour notre dernière soirée, et on est allé à un restaurant qui s'appelle Secreto, où là, pareil, j'ai mangé un super plat bien keto, puisque c'était du filet de porc avec une purée de chou-fleur et des champignons, franchement c'était un délice. Et en entrée, un ceviche de saumon, c'était franchement délicieux avec plein d'agrumes, du citron et tout. Donc voilà, on va passer une journée tranquille et franchement je suis un peu triste de partir, de quitter Louise qui va rester pour son Erasmus. Mais bon, faut bien rentrer en France et retrouver le boulot. Allez, à plus.